Bonjour. Ange Pagani. On se connaît? Il faut absolument que je vous parle. Ah oui, mais là, je suis désolé. C'est à propos de ma fille. Elle est enceinte de votre fils, monsieur. Il lui a fait un enfant, il est parti. Vous comprenez le problème? Le seul problème que je vois, madame, c'est que je n'ai pas de fils. Ah si! Vous n'êtes pas le père de Simon? Qu'est-ce qui vous a dit ça? C'est sa mère. Il faut que vous lui disiez que vous regrettez de l'avoir abandonné, surtout lui demander de ne pas faire la même erreur. Je peux monter dans ma voiture? Non! Cinglé! C'est vrai que vous avez un peu le même sourire, Plombier. Pourquoi tu l'invites pas à boire un petit café? J'allais partir. Hein. Je savais bien que c'était pas une bonne idée, cette rencontre. Et vous êtes venu alors? Elle a arrêté sa pilule volontairement sans me le dire. Elle a quand même pas fait exprès d'oublier sa pilule. Eh ben si, figurez-vous. C'est vraiment une fouteuse de merde. Tout va bien? Très bien. Ordonnance! Est-ce que t'es tombée enceinte volontairement? Mais je comprends pas, qu'est-ce que ça change? Je voulais vous dire que vous aviez raison pour Claire. Ah! Je voulais m'excuser aussi pour la gifle. Les gifles? Elle est née? Ah si, c'est bien ça, une fille. Mais c'est comme ça, les nourrissons. C'est brouillon, c'est chiffonné. Pas d'enfants, pas de mariage, mais beaucoup de femmes, si j'ai bien compris. On est souvent ici. Les femmes aiment beaucoup. Écoutez, je suis désolée, mais vraiment, je vois pas ce que je fais là. Gabriel, embrassez-moi. Vous croyez irrésistible à ce point-là? Si jamais un jour t'en as envie, je pourrais essayer d'être un père. Comment vous voulez que je m'occupe d'un bébé? Je sais même pas comment c'est fait. Oh, c'est tout petit. Le problème, c'est que ça part pas. Vous m'avez bien piégé, hein. Un petit dîner chez moi. Rue de la Tannée en plus. Rien que le nom de la rue, j'aurais dû me méfier. On va pouvoir mettre son petit pyjama. On va donner la petite mimi. Il faut leur parler, ils adorent ça. Sur ce ton.